Bonsoir et merci pour l'importance que vous accordez aux activités astronomiques de l'Arab Astronomical Society. C'est une association qui réunit les astronomes arabes professionnels. Nous avons assisté donc à la cérémonie d'ouverture de la sixième école, la sixième édition de l'école organisée par cette association. Les deux premières éditions ont été organisées au Maroc, l'une à Marrakech, à l'université Rabaïa, et l'autre à Ifrane, à l'université Al-Achraoui. Ensuite, nous avons organisé la troisième édition au Liban, à Beyrouth. La quatrième édition et la cinquième édition ont été organisées en Égypte, l'une en présentiel et la deuxième virtuelle, à distance, à cause de la pandémie. Et aujourd'hui, nous organisons cette sixième édition à l'Université de Qatar. Alors, le choix de Qatar vient du fait que l'astrophysique n'est pas encore enseignée dans cette université en tant que spécialité. Et les objectifs de l'association, c'est justement d'aller vers les pays où l'astrophysique n'est pas encore complètement développé pour créer une émulation chez les jeunes pour qu'ils puissent choisir leur carrière en astronomie. Pour cette édition, nous aurons à traiter principalement de deux thématiques, l'une concernant les exoplanètes et la manière de les détecter et de caractériser leurs atmosphères, et la deuxième thématique est relative à la météorologie de l'espace. Alors, la météorologie de l'espace est importante, elle est de plus en plus importante actuellement à cause des événements intenses qui peuvent arriver dans l'environnement entre le Soleil et la Terre et qui peuvent perturber les communications satellitaires. Alors, pour cette édition, nous avons la participation d'étudiants venant du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, d'Égypte, du Soudan, de l'Arabie saoudite et évidemment les étudiants constituant la majorité des effectifs viennent de l'Université de Qatar elle-même. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine interview.